Salut à tous amis explorateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement dans le petit village de Vallon-Pont-d'Arc, au cœur de l'Ardèche. Et je vous emmène aujourd'hui explorer les gorges de l'Ardèche. Mais pas tout seul, je m'apprête à retrouver mon ami photographe Ludovic Frémondière, que vous devez plutôt connaître sous le pseudo Ludovic Photo sur Instagram. Mais en attendant de le retrouver, je me suis donc perdu dans les ruelles de Vallon-Pont-d'Arc et je vous emmène avec moi pour explorer cette partie de la ville. Allez, c'est parti! Bien les amis, donc j'espère que ce petit tour de la ville de Vallon-Pont-d'Arc vous a plu. Autre attraction de la ville, c'est l'arche qui surplombe l'Ardèche et que je vous emmène voir tout de suite. Bien les amis, je vous reprends maintenant directement sur le sentier de randonnée. Je vous avais laissé au niveau de l'arche de Pont-d'Arc que vous avez vu complètement blindée, recouverte de canoës. Alors dites-vous qu'on là on tourne le 19 juin. Alors imaginez un peu au mois d'août ce que c'est. La rivière doit être remplie de canoës. Du coup, comme vous le constatez, je me suis équipé d'un t-shirt un peu plus technique et d'un short aussi un peu plus technique. Et j'ai retrouvé surtout Ludovic qui est devant. Salut! Salut! Et qui va pouvoir nous expliquer un peu la randonnée qu'on va faire. Donc Ludovic, je t'en prie, explique-nous un peu ce qu'on va faire. Du coup aujourd'hui on fait une simple randonnée, on va passer le long de l'Ardèche, ouais. On va remonter un petit peu à la montagne de sable. D'accord. Après on va redescendre et ensuite on va continuer encore le long de l'Ardèche pour arriver jusqu'au bivouac de Gaux pour y camper. Et du coup, combien de kilomètres? On a une dizaine de kilomètres devant nous, ça devrait nous prendre une bonne heure et demie, deux heures si on prend notre temps et qu'on en profite. Ok. Du coup voilà. Voilà, on va je pense continuer notre randonnée jusqu'au bivouac. On installera les tentes et après on va essayer de grimper au niveau des pour essayer de choper le sunset du plateau et d'avoir une belle vue sur l'Ardèche. Voilà. Je connais un petit spot, ça devrait le faire. Cool, et ben je te suis. C'est parti. C'est parti. Je m'appelle Ludovic Frémondière, je suis photographe professionnel en Ardèche, j'ai 28 ans. Ça fait 4 ans que j'habite en Ardèche et bientôt 3 ans que je suis assez professionnel. C'est avant tout une passion que j'ai essayé de transformer en métier et jusque-là, ça marche plutôt bien. Ma passion en photo, c'est surtout partir dans la nature, explorer de nouveaux coins, faire des bivouacs, et passer du temps sur le terrain, voir la lumière changer, capter ces ambiances qui se retrouvent uniquement tard le soir, tôt le matin. Petit topo de la randonnée. Donc Ludovic, tu confirmes, il y a un passage à gué. Yes, ça va, il n'y a pas beaucoup d'eau, du coup ça devrait être tranquille. Ouais. On n'a juste pas les chaussures qu'il faut, mais à pied ça le fait bien, hein, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça, donc du coup on aura les pieds trempés en passant et, ça va nous et pour le reste de la soirée. Ouais. Bon bah, ça fait partie de l'aventure, du coup... Par contre, faut pas se casser la gueule parce qu'avec les caméras et le matos. Voilà, c'est ça le truc. Du coup, il y a les molos. Ouais. T'inquiète. En plein hiver, j'ai fait ça aussi. Ah, ça me rassure du coup. Dans un autre endroit des gorges de l'Ardèche, il faisait zéro dehors. Ah avec un pote pour aller récupérer mon drone qui s'était cassé la gueule. Ah oui, c'était ça là, les fameuses histoires du drone. C'est ça. On a traversé une rivière aussi longue que ça, avec une eau à zéro. Du coup, on avait les pieds engourdis à fond. C'était cool. Ok, bah écoute, je te laisse passer devant. Ouais, il n'y a pas de soucis.
Et ça va les rochers? Bah ouais, au final, je pense avoir mal, mais ils sont plats, arrondis. Ok. Ça a l'air d'être tranquille. Ok, donc là il y a Ludovic qui commence à rentrer. On va arriver à peu près à la moitié, non même pas, au tiers. Ah, et moi je m'engage. Alors l'eau est pas très froide, donc ça c'est plutôt cool. Et apparemment les rochers sont glissants. Et vu le matériel qu'on a sur nous, j'ai pas trop envie de chuter, de voir mes caméras et mes objectifs tomber à l'eau. Donc on va y aller. Ah, ah la vache. Ah le petit caillou là qui vient te rentrer dans le pied là et qui te fait presque glisser. Ah putain. Bon, on se reconcentre. Ok. Super. J'apprends maintenant qu'il y a des couleuvres d'eau dans la rivière et qu'il faut pas avoir peur. Et moi j'aime pas trop les serpents. Oh, c'était clairement pas une bonne idée. Hein. Ok, il me reste un peu plus de la moitié à parcourir et ça devient vraiment tendu. Les rochers sont glissants. Et en plus de ça, au milieu de la rivière, le courant est un chouïa plus fort, donc plus déstabilisant. Et je dois vous avouer que j'ai de plus en plus peur pour le matos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le ranger. Putain, ça va nous retarder de 3 quarts d'heure ça là. Bon ça y est, le premier guet est passé. Je pense qu'on a mis au moins 20 bonnes minutes à traverser, non? Ou alors c'est moi qui ai... Ça se trouve on a passé en 5 minutes, mais j'ai l'impression qu'on a mis une demi-heure. 20 bonnes minutes à traverser ça. Chaque petit caillou vous transperce le pied. Et les gros cailloux, eux, sont recouverts de mousse et vous font glisser. Donc apparemment il y a un autre guet à passer un peu plus loin. J'espère que celui-là il sera un peu plus facile. Du coup, concernant mes spots favoris en Ardèche, ça se concentre surtout autour des gorges de l'Ardèche et des monts d'Ardèche. C'est vraiment deux endroits qui sont assez différents et qui ont vraiment une variété de paysages impressionnante. Et c'est ce qui me fait revenir à chaque fois sur des spots ou essayer d'en découvrir d'autres sur ces mêmes coins. Du coup là on arrive près du bivouac de Gaux avec un petit passage qui va se faire en bord de falaise juste derrière, je sais pas si tu vois là. Un guet à traverser et on y sera. Ok, on pourra porter la tente et se poser un peu. C'est ça, ça va faire du bien. Ok, bah on y va. On est à flanc de falaise. Là-bas, le soleil éclaire les falaises au loin. L'ambiance est vraiment calme, reposante. Ça fait vraiment du bien. C'était une grande première pour moi de pouvoir découvrir les gorges depuis un point de vue différent. Parce que je suis vraiment habitué à être sur les hauteurs, à être sur les falaises. Je pensais pas que ça pouvait être aussi intéressant depuis le fond de vallée. De pouvoir apercevoir tout ça, ça me donne vraiment un autre point de vue sur les gorges et ça me donne envie de continuer d'explorer depuis le bord de rivière ce coup-ci. Ok les amis, donc du coup ça y est, nous approchons petit à petit du bivouac. Il nous reste seulement
un gué à traverser. C'est ce que je redoute le plus. Ce serait dommage d'avoir parcouru tout ce chemin pour me vautrer dans l'eau et mouiller les caméras. Mais bon, je croise les doigts et j'espère qu'il ne va rien m'arriver. Et maintenant, je laisse Ludovic analyser le parcours. Alors, par où on passe? Tout droit. Tout droit. On va allonger, ouais. Là, comme ça. Ça me semble moins profond ici, on va allonger jusqu'à la berge et puis... Ça devrait aller. Faudra juste pas glisser, quoi. On est à mon tour. Je le sens mal, je le sens mal, je le sens mal. Ouh là là! Bon les amis, le passage à gué est derrière nous. Ça a été honnêtement la pire épreuve de la journée. Pour vous dire, on a mis 50 minutes, quasiment 50 minutes à traverser un gué qui doit faire, je sais pas, peut-être entre 50 et 60 mètres de large. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a enfin traversé, que tout s'est bien passé, personne n'est tombé à l'eau, ni moi ni Ludovic. Et qu'on est du bon côté du fleuve pour aller rejoindre le bivouac qui se situe à peut-être 10 minutes à pied. Ça va? Quel temps de merde. C'est clair. La pluie a cessé, du coup on va pouvoir commencer à emballer toutes les affaires et emballer la tente et aller voir ce qui se passe au-dessus des nuages. Bon, c'est quoi le programme, chef? Il est quelle heure? Il est 6h30. À 6h30, ouais. On va commencer à remonter vers le haut des gorges. Ouais. En fonction de s'il y a des nuages ou s'il repleut, on va s'arrêter peut-être sur un bord de falaise que je connais, qui pourrait être sympa. Okay. Et si les conditions sont pas réunies, je pense qu'on va filer la voiture et on va tracer jusqu'à un autre belvédère pour que je te montre un peu le coin. Des jolis endroits. Ok les amis, donc c'est parti, nous venons de quitter le bivouac, nous reprenons le sentier et nous dirigeons vers la voiture et après comme l'expliquait Ludovic, on va pas mal bouger, essayer d'aller directement en voiture à des belvédères pour avoir des super points de vue sur les gorges et ensuite peut-être passer à l'arche en espérant que ce matin il y ait moins de monde et que l'ambiance soit au rendez-vous pour faire des super photos. Ça va bien faire 3-4 minutes qu'on est déjà là et le spectacle se renouvelle sans cesse. On sait même pas quand est-ce qu'on va partir. Il pleuvait toujours un petit peu, mais vraiment ce nuage se déplace à une vitesse. Sinon j'ai aussi créé un collectif avec une collègue qui s'appelle le collectif Explore Ardèche. C'est un regroupement de photographes qui sont avant tout passionnés par la photo de paysage, mais un peu tous dans le même état d'esprit, on aime vraiment chercher ces belles lumières. Et du coup, ça nous permet d'organiser des sorties ensemble, de découvrir et de chercher de nouveaux spots.
un nouveau spot. Avec Ludovic, on vient de récupérer la voiture et il m'a emmené sur un belvédère qui offre un panorama de dingue sur les gorges de l'Ardèche. Et je vous montre ça tout de suite. C'est le belvédère des Templiers avec le cirque de la Madeleine. Bien les amis, donc du coup c'est sur ces dernières images de l'Arche de Pont d'Arc qu'on va se quitter et conclure ce vlog. Merci encore à toi Ludovic de m'avoir accueilli et de m'avoir vraiment fait explorer les gorges de l'Ardèche, c'était vraiment magnifique. Une petite déception quand même pour le coucher, le lever de soleil, ouais. Qu'on a un peu loupé. À refaire. Voilà, on saura maintenant qu'il faut prendre des chaussures d'eau pour traverser les rivières Aguet, sinon on passe 3 heures dessus et on loupe le coucher de soleil. Tout à fait. Voilà. Bah, en tout cas, c'était vraiment cool et puis bah, j'espère qu'on se reverra bientôt pour d'autres sorties et d'autres explorations. En tout cas, on vous dit à la prochaine et puis à très bientôt. Ciao.